On oublie seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Tiens, vous avez regardé ? Ah, suivez, c'est beaucoup. Enfin, vous l'avez regardé ? Non, mais je l'ai regardé déjà, oui. Vous en pensez quoi, honnêtement ? Très honnêtement, ouais. Je pense que c'est grave. Je pense que c'est très grave. Qu'est-ce qui est grave ? Pas vous, mesdames, je sais que vous êtes formidables. Mais je pense que d'en arriver là, à un moment, j'aimerais bien que de temps en temps, sur les grandes chaînes, à des heures comme ça, on voit des gens, je sais pas, brillants, qui nous inspirent quelque chose, qui ont un truc de plus que nous, qui nous filent envie de comprendre des trucs sur le monde, sur ce qu'on est. De mettre en scène comme ça le discours abscon et la médiocrité, ça me saoule. Voilà. Hollande, il sert les intérêts de ceux qui l'ont fait élire en le faisant passer à la télé, dans les journaux. Et pourquoi une banque achète Libération ? Pourquoi une banque achète Le Monde ? Pourquoi le Crédit Mutuel achète le quart de la presse quotidienne régionale ? C'est pour gagner les élections. Et ensuite, les élus rendent des comptes à ceux qui les font élire. Vous savez, je pense que l'évolution des émissions de télé-réalité, des émissions de recherche de stars, de nouveaux mannequins et des concours de talents est significatif d'une société qui déraille. On donne tellement d'importance à la célébrité, à la gloire, au fait d'être découvert, d'être sous les projecteurs, d'attirer l'attention, que maintenant, eh bien, les personnes marginalisées, celles qui attendent un tournant dans leur vie, sont attirées par ça. C'est un moyen rapide, immédiat, de réaliser le fantasme que tout ce dont il rêvait depuis longtemps pourrait devenir réalité en une fraction de seconde, en étant reconnu. Ces personnes sont gavées de fantasmes par Hollywood, par les médias, par les médias, par les médias, par les médias. Tour à tour ils donnent tout, seul leur âme au diable. Plus personne n'est à l'écoute, c'est déplorable. Vendre leur honneur pour 2-3 sous et trouver ça normal. Endoctriner la soif de flouze et les pousse dans le coma. Intellectuel, ils ne dissocient plus le bien ou le mal. Détruisent les bases de l'espèce humaine. Délire sexuel, crade et malsain exposé aux yeux de tous, plus d'innocents chez les prépubères. Les valeurs morales sont mises de côté. Faut que ça génère du bif, tant pis pour l'honnêteté. C'est les gens cupides qui détruisent vos rêves. C'est toujours la même histoire de crime et d'oseille. Demande à l'Afrique noire ce que l'homme occidental est capable de faire pour assouvir sa prise de poids. Son désir de gloire le rend complètement égoïste, inhumain. Il le s'enfonce dans les pires des bois. Ouais, ces mecs sont prêts à tout et n'importe quoi pour arriver à leur fin. Tout et n'importe quoi, ils font tout et n'importe quoi. Dans le but de plaire ou de faire le buzz, il n'y a plus de règles dans cette terre de jeu. Tout et n'importe quoi, ils font tout et n'importe quoi. L'homme est aveuglé par sa soif de flouze, plus d'humanité que des histoires de sous. Que fait du moins il faut le chèque. Un peu plus de distance avec l'échec. Faute d'être un homme, on ne fait que perdre. Sans sang-froid, on s'envoie pour des pépettes. Les gens s'en stand dans leur supérette. Certains parlent de bacon, d'autres te parlent de dette. Pour des pièces, les gosses te donnent un coup de tête. Comme quand t'es pris au piège. Oui, histoire de fesse. Tout le monde tourne sa veste. Aujourd'hui, faut que tu pèses. Faut que t'écrases tous les ordres pour devenir le best. Forcé à vendre ton âme pour de la merde. Plus de soi, plus de femmes, mais y'a plus de frères. C'est comme ça qu'on finit par se perdre. Tu te sens seul, gamberge. C'est comme ça qu'on finit par se perdre. Tu te sens seul, gamberge. Dans le but de plaire ou de faire le buzz, il n'y a plus de règles dans cette terre de jeu. Tout et n'importe quoi, ils font tout et n'importe quoi. L'homme est
est aveuglé par sa soif de flouze et plus d'humanité que des histoires de sous. Tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi.